Salut à tous, c'est Grevzit. Aujourd'hui, donc on va faire le chapitre 4 de Marvel Heroes 2015. Donc on va démarrer directement la mission. On va essayer de pas trop perdre de temps parce que la dernière vidéo durait quand même assez longtemps. Je crois que c'était 1h40. On va faire beaucoup plus court cette fois. On va quand même essayer de bien regarder où sont tous les endroits. Mais je vais pas rester. Je vais peut-être faire des petites coupures au montage, histoire que ce soit pas trop lourd et juste pour garder les meilleurs moments ou quand je découvre des endroits qui sont importants. Alors pour l'instant, trouver le labo. Donc on va déjà essayer de trouver le labo. C'est bizarre là, il n'y a personne. Normalement, il y a plein de monde partout. Je vais juste récupérer mes petits trucs. Ils sont nuls. C'est nul. Tu as tant changé, Psylocke. Mais de nous tous, qui peut se vanter du contraire? C'est pas faux. Allez. Hop. Donc là, je connais pas cet endroit. Je l'ai pas fait le chapitre 4. Je le découvre avec vous. Et ça y est, il y a les premiers ennemis. Alors, c'était quoi déjà? Tac. Allez, on pète tout. D'accord, il y avait ça. Et j'avais aussi mon Wolverine. D'accord, je me rappelle un peu. Je me mets juste ce truc. Et voilà, c'est parti. Je vais pas faire en fait les quêtes, comment dire, les quêtes aléatoires, parce que la dernière fois j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, et au final ça c'est plutôt à faire une fois qu'on a fini le jeu, je pense, pour récupérer plus d'XP ou des items rares. Puis là je suis largement au niveau, hein. Je suis niveau 19 là, d'ailleurs je vais mettre mon petit point. Qu'est-ce que c'est, vous et vos alliés à proximité? Bon, ça je l'ai déjà. Ça c'est mon ulti, ça fait mal. Tac. Bon bah c'est bon. Et donc je vais récupérer que les items violets et jaunes. C'est ce qu'on m'a conseillé dans les commentaires. Donc tout ce qui est bleu, vert ou gris, je m'en fous, je récupère pas. Du moins si je les récupère sans faire exprès en cliquant dessus, je vais les enlever. Alors, première porte. Première porte qui est d'ailleurs pour la quête principale. Je vais y aller quand même, on va voir ce que c'est. Peut-être une petite cinématique. Ce tombstone fera moi le malin contre un adversaire de ma taille. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est là qu'il faut aller. Donc je sors, vite fait. Hop, je vais faire tous les coins de la map. Je vais pas m'attarder sur les ennemis. Voilà, bon, voilà déjà le premier passage secret. Direct à côté. On va récupérer le coffre orange. J'ai l'impression que les ennemis sur cette map-là sont plus faciles à tuer que les ennemis sur le chapitre 3. J'avais vraiment beaucoup de mal dans le chapitre 3 par rapport à maintenant. Alors, le coffre. Donc là, il n'y a rien que je vais récupérer, mis à part le shield. Et la particule, ouais. Si les éléments quand même de craft, ça je les récupère. Allez, on s'enfuit. En fait, il me faudra limite un item qui me donne plein d'esprit pour pouvoir me déplacer super vite. Que j'activerai juste quand je fais les découvertes de zone. Et après, je retourne uniquement aux endroits que j'ai découverts. Et là, l'XP, il monte vite. Hein. Je viens d'avoir un niveau. Et je suis déjà à un dixième. Alors que sur le chapitre 3, je me galérais. Et en plus, j'avais que dalle en XP. Allez. Juste balancer Wolverine pour qu'il tue à la place les ennemis.
magnifique. Du vert, je prends pas. J'ai aussi des items que je peux activer là. Tiens, encore un passage secret là. Des items que je peux activer qui me donnent un bonus au loot. Je vais peut-être les faire. Hop, du craft, du shield. C'est bon. Ah, c'est vrai que j'avais ce sort là, je l'utilisais pas. J'ai quand même envie de prendre les items bleus, mais bon. Allez, on va aller prendre les bleus quand même. Ça se revend, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin de fric, mais. Je crois qu'on est dans l'antre des satanistes là. On va sortir de là. Hein. Hop, donc déjà deux passages secrets, il y en a pas mal, j'ai l'impression, sur cette map. Mais ça m'a l'air quand même un petit peu plus petit que le chapitre 3, donc tant mieux. Enfin, tant mieux. C'était bien aussi d'avoir des grandes maps. Allez, encore un truc là. Le métro. Et quand c'est bleu comme ça, en général, c'est des endroits de quête. Bon, au moins, j'ai trouvé l'emplacement. Je pourrais y retourner si jamais je dois y retourner. N'aie pas peur. Tu vas mordre. Hop. Alors je vais juste taper lui là, c'est qui ce mec? Ils ont eu Galvino, on se barre. Ok, donc là il y a tous les ennemis qui se barrent, j'ai l'impression. Le triomphe, celui guidé par son cœur. J'ai buté leur chef en deux coups, et du coup ils se barrent tous. Alors je sais pas si ça il fallait le faire dans la quête principale, c'est pas indiqué en tout cas dans mon journal de quête. Hop, le deuxième homme de main que je viens de buter. Et là je retourne dans un autre endroit, alors on va voir ce que c'est. Ah d'accord, ah ouais non, en fait c'est beaucoup plus grand que le chapitre 3 encore. Alors... je sais pas du tout comment on va gérer ça. Puisque là j'ai l'impression en fait d'être... je sais pas si c'est un QG ou si c'est... Là il n'y a pas d'ennemis en tout cas pour l'instant. Ça a l'air plus petit donc c'est peut-être comme le QG dans le chapitre 3. Le QG du shield. Parce que là j'ai l'impression qu'on est dans un commissariat et tout. Trouver des preuves utiles. Pour vaincre Trompstone. Donc là, toit du poste de police. C'est peut-être des endroits où il faudra aller après. Mais bon, vu que j'aurais déjà découvert l'endroit, ça ira plus vite du coup. Je pourrais m'y diriger direct. Ah putain, il m'a fait super mal, hein. J'avais pas vu. Ah bon, moi je l'ai défoncé aussi. Mais si j'avais été un personnage beaucoup moins tanky. Alors là, il y a une quête du coup. Qu'est-ce que c'est? Parler à Gandalf. Respecte la loi, compris? Cinématique. Ça ne prouve strictement rien. Ça prouve que t'es pourri jusqu'à l'os de Wolf. Je suis vraiment déçu, officier de Wolf. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que tu fais avec le Caïd? J'étais un bon flic. Je m'étais lancé sur les traces des voyous du Caïd, après qu'ils aient commis toute une série de crimes un peu partout dans Hell's Kitchen. J'ai suivi leurs pistes et découvert que je n'étais pas la seule à en avoir après eux. Speedball, un des New Warriors, les avait trouvés. Mais il s'était fait capturer. Il était là, attaché, battu. Speedball, on dirait Blue Beetle. Il ressemblait au bout du rouleau. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je les ai descendus. Je l'ai pas inscrit dans mon rapport parce que je savais que je m'étais planté. Merci.
Vous pouvez marcher? Peut-être. Si j'avais gardé la tête froide, j'aurais pensé aux caméras de sécurité. J'avais été filmé en train de refroidir les laquais du caïd. Peu importait qu'ils ne soient qu'une bande d'infâmes salopards prêts à tuer un véritable héros. Je les ai tués de sang-froid. Maintenant, le caïd me tient. Soit je fais ce qu'il dit, soit je finis au trou. Vous voulez vous racheter? Alors aidez-nous. Tu balances tout aux fédéraux, ils coincent le caïd et on n'en parle plus. Séquestration, chantage sur un agent du gouvernement, racket, c'est suffisant pour l'envoyer en prison. Elle est là, ta chance de te racheter. Allez! Je peux plus vous sentir. Arrêtez-le. Je témoignerai. Bon, très bien. On va le faire, pas vrai? On va faire tomber le caïd? On a JD ce soir. Il y a des persos qui parlent beaucoup plus que d'autres dans les cinématiques. Enfin venger les victimes du caïd. Ah, j'ai eu un point de pouvoir. Alors, va à la tour Fisk et dis au caïd qu'il est en état d'arrestation. S'il résiste, n'hésite pas à le convaincre de t'accompagner. Ça, c'est une quête annexe, hein. La chute du caïd. Donc j'ai bien fait de venir ici, en fait. Comme ça, il y a des nouvelles quêtes. En plus, j'ai chopé un point de compétence, là, je crois. Qu'est-ce que j'ai eu? Inventaire, stat. J'ai un point de compétence si jamais j'arrive à finir la quête, je pense. Allez, donc du coup... Là, y a rien. Hop. Rien non plus. I'm pulling some cowboy. Tiens, là, y a un ennemi là. Espèce d'enfoiré. Ah merde! Là, j'ai buté un. J'ai buté un mec qui allait être jugé, je crois. Et du coup, peut-être que ça va changer quelque chose dans l'histoire. Voilà, il y a des gros monstres hein, ici. On dirait les abominations, les ennemis de Hulk en fait, dans le film avec Edward Norton. Mais bon, ils sont un peu plus faciles à buter. Alors, on va tuer l'espèce de tortue ninja, là, je sais pas qui c'est, Donatello ou... Ah ouais! D'accord, donc il y a des gros boss aussi comme ça. Bah, why not? Je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un truc secret? Métro effondré. En tout cas, c'était ultra giga grand, hein. Je me demande comment c'est passé par ici même. Alors, sympa cet endroit là. Vous êtes mort. Ouais, je pense que cette vidéo va durer très longtemps aussi. Du coup, c'est pas grave. Peut-être que je la découperai en plusieurs épisodes, je verrai, ou je la mettrai tout d'un coup, tant pis. Au pire, vous aurez juste à marquer où vous en êtes arrivé, si vous voulez faire une petite pause. Wouh! Alors là, jackpot. Et moult trucs. Cela servira la cause. Alors, on va regarder déjà ce que j'ai, parce que là, j'ai peut-être des trucs qui sont un peu mieux depuis. Là, par exemple, ces trucs-là, ça c'est mieux. Ça c'est moins bien, ça c'est moins bien. Bon. Je peux invoquer aussi un marchand, j'ai trouvé un item qui me permet d'invoquer un marchand si jamais j'ai trop d'items sur moi, donc au pire je le ferai. Si je suis vraiment loin de tout et qu'il n'y a pas de point, comment dire, de téléportation. Allez,
Bon, on va pas rester là. Je vais juste, hop, voilà, les buter comme ça. Gouja Moloïde. Avec un nom comme ça, toi, j'ai bien fait de te tuer. Moloïde chassé. Ouais, l'XP monte super vite. Hein. Je suis déjà à la moitié de mon niveau 19 là. C'est quoi, c'est lui? Non. Voilà, il arrive. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait la grenouille de Naruto, là. Oh, il est laid! Il ressemble à rien! L'homme taupe. Oh, non seulement il ressemble à rien, mais en plus je le défonce. Donc là, quand il a son bouclier, je suppose que c'est même pas la peine d'essayer de le taper. Yola ! Et voilà. Alors là, du coup, je vais juste récupérer... bon, si, je vais tout prendre, en fait. Encore une fois. Et là, il m'a donné ça. Fusil. Comme par hasard, c'est pas pour moi. Et un brassard de merde. Bon, décidément, hein, je vais pas... Non, bah, y avait rien ici. Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas rien. Ça m'a rapporté plein d'XP. Mais en tout cas, pas de quête. Mais c'est encore une fois un passage secret hein, qui se trouve ici. Je vous montrerai tout à l'heure la map en grand. Vous inquiétez pas. Je vous montrerai la map en grand histoire que vous puissiez tout simplement voir où se trouvent les trucs directs. Si jamais vous voulez pas faire tout le tour de la map. Alors, ici, on va juste tuer les gros trucs là. Là, on pourrait rester hein, faire du level, mais c'est pas le but de la vidéo. Normalement, je pense que je l'aurais fait. Putain, là, il y a des monstres partout. Allez. Là, je suis en train de me paumer en plus. Alors, tac. Là, il y a encore une porte ici. Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'il faut aller pour la chute du Kaïd. On va faire ça. C'est pas la quête principale de ce truc-là, donc on peut le faire maintenant. Oui, je pense, Fisk, que tu vas te faire avoir par des mecs dans mon genre. Je suis Colossus. Tu ne peux pas me faire mal. Je pense que la meilleure personne pour buter Fisk, d'ailleurs, c'est pas Daredevil, mais c'est Colossus. Parce qu'il a pas d'armes, enfin il utilise des armes standards en fait, Fisk. Et ça ne me fait pas de dégâts en fait, tout simplement. Puisque je suis l'homme de métal. Alors il faut que je monte. Hop. Ah, vous entendez pas, mais on a bien la petite musique. La petite musique d'opéra, propre à Fisk. Oh, si vous l'entendez peut-être. Je mettrai peut-être plus fort un petit peu la musique. Hop. Oh là, je commence vraiment à faire mal. L'un après l'autre. Easy. Yeah. Ah, j'ai plus de mana. Bon, je vais les appâter. On va tous les mettre côte à côte. Et après, on va les ratatiner comme ça. On fait de la soupe de mafieux. Qui va mort. T'as même pas eu le temps de finir ce que t'allais dire. Ça, c'est pas mal d'ailleurs. Parce que normalement, je pense, dans un jeu, quand la voix est enregistrée entière, le mec il continue de parler même s'il est mort. La plupart du temps. Enfin, avant en tout cas. Nul ne peut vaincre Colossus.
Là, je finis tous les mecs, tout simplement parce que ils rapportent plein de thunes. Et plein d'XP plutôt. Et l'XP, c'est bien. Hop. Allez, il faut que j'aille en bas. En plus, ça me permet de tout visiter. Là, je pense qu'il y a des coffres des fois ici. C'est comme un donjon, hein, là. Donc clairement, il faut tout voir. C'est mon petit côté RPG qui ressort, là. L'intuition du RPGiste. Il y aura du coffre. Après, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé un tout petit peu... Ah mais oui, c'est B, j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est que B? Il m'avait dit de cliquer sur B, je crois, pour avoir le... Alors, je vais faire un truc. Option. Raccourci. Il y a une touche, normalement, pour attirer... Pour attirer les objets que je trouve par terre. Fermer toutes les fenêtres, show item. Non. Toggle show item. Right alt. Il doit y avoir un truc, peut-être ramassage auto. Activer le ramassage automatique des crédits. Des kits de soins. Désintégrer équipement selon... Allez, au moins là, comme ça, j'aurai pas besoin de marcher sur les pièces et sur les kits de soins. Ils me seront automatiquement récupérés et je pense que ça va me faire gagner pas mal de temps. Donc merci pour cette petite info. Qui va me faire gagner du temps et qui va vous éviter d'avoir à regarder un gars en train de courir après l'or. Ah là, au final, il n'y a que les mecs bleus hein, qui donnent des trucs. Ah, j'ai un sort de pétrification. Ça doit être ma petite amulette qui me fait ça. Casser des trucs. Allez. Pas de coffre, hein. Y'a les costumés. Y'a les costumés. Y'a Ah putain, il y a aussi des mecs de la main. Soit c'est la main, soit c'est... ouais, c'est la main, ceux-là. Les ninjas, là, les saloperies, c'est des gars de la main. En même temps, la mafia, hein, ils bossent avec tout le monde, normalement. Hop, là, il y a un troupeau. Et là, c'est même plus des mafieux, je crois que c'est des flics corrompus. Ah là là. Salaud. Bureau du caïd, allez, on va lui défoncer. Le fion. Avec un gros point en métal. Vous avez commis une grave erreur en venant ici. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Par contre, moi, je sais que... Et maintenant, je vous écrase. Ah bon? Parce que moi je vais t'envoyer le petit Wolverine et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas comprendre ta douleur. Hein Larry? Je sais que c'est ta copie là. Est-ce que c'est ta copie? Oui. Eh ben, mon caïd, hein. Plus qu'à trouver la tablette et c'est fini. Alors la tablette est là. La tablette est là, et je crois que j'ai fini le chapitre, du coup. Alors voilà, là j'ai terminé le chapitre. Avec ça, on va avoir une cinématique certainement. Alors, tac tac tac.
mon petit level d'abord. Pourquoi j'ai pas ce truc là là? Il faut que je chope en. Ah, non, je l'ai pas. Vous créez de fabuleuses armures, camarade Stark. Alors, je vais quand même terminer la quête. Parce que là, j'ai pas fini ici les trucs. Donc, on va y retourner. Et on va tout se faire. Donc, si jamais vous vouliez juste regarder bah, l'histoire, au final, il fallait aller dans le East machin. L'endroit où je suis allé, là, vous suivez. Et vous arriverez très vite à finir le chapitre 4. Puisque ce que j'ai fait, moi, en fait, c'est... j'ai voulu essayer de tout visiter, mais au final, je suis allé là où il fallait. Directement. Donc, c'est pas bien. Alors, ça, par exemple... Oh là là, ça monte. Et je suis à un dixième là, sérieusement. Hein. Là, il faut, si vous voulez faire du level up, après le niveau 20, je pense que c'est pas mal ici. C'est même très très bien. Chapitre 4. Impeccable. Hop, ici, il y a un autre monstre. On va aller buter. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Alors, c'est des mecs qui arrivent à l'infini encore. Un sur trois, super brut. Voilà, ils sont peut-être ici. Non. Tireuse, voilà, j'en ai une deuxième. Même pas, mais nom de Dieu, il n'y a rien à faire ici. Là, il y a un gros là. Brut sous MGH. Allez, j'en ai deux. Mais... ça me saoule, tant pis. Donc là c'est le labo du MGH, là il fallait que j'aille ici, donc je vais y aller dedans. Il y avait une quête, voilà, on voit, on va y aller. Alors brut sous MGH. Là je trouve pas mal de trucs de fabrication hein. Ce qui me manquait encore une fois dans le chapitre 3. J'ai l'impression finalement que le chapitre 3 ils l'ont un peu mal placé au début. Parce que c'est vraiment pas le même niveau hein. À moins que il y avait vraiment un souci d'équipement peut-être pour moi ou quelque chose comme ça. Mais j'avais l'impression de moins me balader que ça en fait, tout simplement. Allez, il y a un truc là ici, un coffre. Donc là, il y a un coffre ici. Hop, on récupère tout, on s'en fout. J'ai plus beaucoup de place. J'aurais dû revendre mes items tout à l'heure. Allez, là, il y a un mec là. Tombstone. Ah, il est bien tanky aussi le fourbe là. Hop, moi je m'en fous, moi j'ai une Wolverine. Non. Ou pas, vaincre Tombstone c'est fait, trouver des preuves utiles. Le triomphe, celui guidé par son cœur. Alors là je suis allé.
relire. Tais-toi, toi. Tu ne te permets pas. Tu vas déjà me nettoyer cette vilaine peau et après tu pourras te permettre. Hein. Une mallette! Alors, du coup, se rendre à East, oui. Là, on va vite, hein. On fait les trucs vite fait. Apporter la tablette, entrer dans le métro Crossdown de Lower East Side. Bah, j'y suis déjà allé, en fait. Mais peut-être qu'il faut que je retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là, c'est la guerre, hein. Il y a encore des dinosaures bizarres. Quête légendaire. Quête légendaire. Bon, écoute, on va tout faire, hein. On verra bien. Jared Leto. Croc. Ah, là, il y a un truc. Alors, comment on rentre ici? Chambre forte. Passage secret. Ouh, plein d'XP. Je me casse d'ici, putain! Putain, j'ai mal aux yeux, je sais pas ce qui se passe. Un gros coffre. Non, bah de l'XP quoi. C'est, il y a pas mal d'XP quand même dans ces coffres, donc mine de rien, même si vous trouvez pas d'items, c'est quand même intéressant de les faire. C'est toujours intéressant l'XP. Toujours, toujours. Hop, c'est plus que ça. Alors, c'est bon, on a tout vu. Ah, il se transforme en panthère noire au début. Avant d'être en Wolverine. Elle était en train de se faire agresser par les dinos trous de balles. Et Dino Rocket. Crac, j'ai le sol qui tremble chez moi, ils font des travaux. Ils sont en train de refaire le terrain de foot là à côté. Et il y a des tractopelles qui pètent tout, mais en permanence. Ça fait une semaine que ça dure et ma maison tremble. Et j'espère que ça va pas endommager mon disque dur ou des trucs comme ça, parce que franchement... Allez, je crois que j'ai tout vu ça. Voilà, donc ici on a tout vu. Vous voyez, hein, là vous pouvez voir ici les portes. Je suis bientôt level up. Là franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je serais resté ici sur cette map pour finir mon level. Allez, on s'enfuit. Donc là on a bien tout vu, hein. Ah, attendez un petit instant, je reviens. Hop. Voilà, excusez-moi, j'ai fait un mini coupage, tout simplement parce que j'ai eu un appel là de mon proprio, et du coup, c'est quelque chose de privé, ma foi, et je ne vais pas vous en faire part, c'est pour les travaux, les choses. Et je continue donc ma recherche, là, je pète tout sans rien péter au final, puisque je ne fais qu'avancer pour chercher les endroits secrets. J'en ai pas trouvé hein, pendant l'appel du proprio, donc ne vous inquiétez pas. Si j'en trouve, de toute façon, je vous les montre sur la carte. Alors là, je suis un petit peu... Wow, multi-XP, hein. Ça, il me faut, par contre, hein, je vais pas laisser passer. Hop. C'est un théâtre, un cinéma.
Roméo. Elle est où, Juliette? Elle est là, Juliette. Alors, par où peut-on passer? Non, c'est bon. Bon, bah ici, pas de passage secret. Je pensais que dans le ciné, il y en aurait un. Ou du moins des coffres, mais je n'en ai pas vu. Et on va aller... finir ça, tac. Bon, bah là, il n'y a rien non plus. Ok, on repart. J'aimerais pouvoir cliquer sur la map pour me déplacer, parce que... c'est un peu pénible, en fait, de devoir cliquer tout le temps. Tac. Alors, il y a le bouffon vert ici, donc là, on va désactiver... ah, ta. Le petit gros. Vous l'avez vu, mon petit gros. Pas qu'il s'enfuit, cette saloperie. Oui, c'est bon. Voilà. Yes. Allez, on va réduire ça. On va choper le bouffon vert ici. Putain, la vache. Allez, il est mort. Brassard redoutable. J'ai bien cru que j'allais perdre le contrôle. Et j'ai plus de place. Donc ça déjà, ça dégage. Balade voyante. Il est bien le brassard ou pas? Ah, il est cool. Je prends le brassard. Et le casque, je vais le prendre aussi. Ah, j'ai plein d'XP encore une fois. Et un petit bonus là, des dégâts. Ah, le casque est nul. Le casque est pourri. Et donc là, c'est là que j'étais allé direct. Hein. C'est le métro. Entrer dans le métro Crosstown. The Lower East Side. C'est là qu'il faut aller. Et là, on a tout vu. Voilà, on a tout vu cette map, je crois. Tout à fait. Bon bah voilà, du coup je vais redescendre ici, je pense que je peux retourner à la tour. Je vais vendre mon matos et je vais faire un petit break, parce qu'il faut que j'aille voir un truc dehors avec les travaux. Et du coup ce sera un petit break qui va durer pour vous aucune seconde puisque je reviens. Donc à tout de suite, salut. Et voilà, excusez-moi, donc pour ce petit changement, donc là j'ai fait ma vente de tous mes items. J'ai un truc à vous demander d'ailleurs, si vous le savez, j'aimerais avoir une touche qui me permette tout simplement de pouvoir organiser mon petit inventaire. Puisque là en fait je suis obligé de le faire à la main à chaque fois, c'est chiant. Et quand je vends des trucs, des fois il y a des trous au milieu et après je vois plus les items qu'il faut que j'enlève. Donc là, il faut que je retrouve Ben Ulrich dans le métro ici. Donc je vais le retrouver. Là, de toute façon, ça va être assez simple vu qu'il est indiqué. Hop. On se barre, il y a plus machin. Je les imagine avec les voix. Je sais pas si vous regardez, des fois c'est adjugé vendu au Canada. Avec Cathy qui achète des box avec son mari et les voix sont juste énormes. Ça me fait trop marrer cette émission là, c'est des ventes aux enchères de box. Navré, mais je ne peux te prêter qu'une oreille distraite. Allez voilà, je vais filer la mallette. Du poison dans la rue. Donc ça c'est fini. C'est terminé, il faut juste que j'apporte la mallette. Du coup, on va le faire tout de suite. Non, on va faire autre chose d'abord. On va vérifier ici le dernier endroit. Et après, je pense qu'on aura terminé cette vidéo sur le chapitre 4 qui aurait été plus courte que le chapitre 3. Donc, c'est pas mal pour la durée de la vidéo. Puisque sinon, c'est un peu long. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible pour vous. Puisque des fois, je parle pas trop. Parce qu'il se passe pas toujours des trucs. Et puis, c'est bien quand on joue. Mais c'est vrai que quand on regarde, en fait, ça doit être un petit peu toujours pareil. Niveau 21. C'est un peu ce que je reproche aux jeux vidéo là. Enfin Marvel Heroes, pas aux jeux vidéo en particulier, mais Marvel Heroes, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil.
J'augmente ce sort, hein, et beaucoup. Ah, dans 60 minutes, le serveur sera offline, donc il faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche et moi je continue à faire ça, voilà. Donc là, ici, il y a un passage secret. Hop, sous-sol, les sous-sols de la banque. Les sous-sols envahis. Hop, j'ai tué tout le monde. Donc à vous de voir avec Colossus, hein, ce que vous voulez augmenter si jamais vous prenez le champion. Mais moi je pense que augmenter juste son auto-attaque. Oh, c'est un coffre basique. Ouais, pas mal d'XP. Ouais. Augmenter juste son auto-attaque et son ulti, enfin ce que j'appelle son ulti, c'est l'espèce de jump qui n'est pas d'ailleurs du tout son ulti. Hein. Mais son jump là, je trouve que c'est... ça suffit en fait. Le A, vous l'avez pour vous déplacer vite. Pas besoin trop de l'augmenter en termes de dégâts, après ça dépend. Si vous l'augmentez en termes de dégâts, le dash ici, ça vous permettra de tuer des ennemis assez vite aussi. Donc 3 pouvoirs à monter avec Colossus, le dash, le jump ici et l'attaque basique, comme ça. Parce que celle-ci n'utilise pas de pouvoir en fait. Donc quand vous avez plus de mana ou de pouvoir, je sais pas trop comment ça s'appelle dans ce jeu. En tout cas quand vous en avez plus, ben ça peut toujours être utile d'utiliser l'auto-attaque. Et si vous faites des dégâts avec, c'est encore mieux. Ah, mon sol qui tremble à fond. J'espère que ça va pas faire trembler la caméra carrément. Là, j'ai l'impression d'être dans un tremblement de terre. Quoi. Merde, il se déplaçait plus. Ah, il y a le petit jardin dans Hulk. Ça ressemble. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression d'avoir terminé ici. Qu'est-ce qui m'a balancé ça là, Molo? C'est bon, t'es qui toi? Ah ça du coup, le truc de danseuse étoile, je sais pas si c'est vraiment utile. Tiens, il y a une autre, un autre passage secret. Et je vous montrerai après, hein, la carte en grand. Ah bah si, là je suis déjà allé. C'était le fameux souterrain avec la taupe, tout à l'heure. Qui était une quête annexe. Voilà, j'ai l'impression d'être allé partout ici. Ah, il y a un petit gros. Non, il s'est barré. Ah, ça devait faire un moment qu'il était là, fait chier. Ah là 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 là, le petit gros qui est parti. Et là, il y a un endroit secret. Donc ça, c'était la chambre du Caïd. Enfin la chambre, l'hôtel du Caïd. Ok, donc là on a tout vu ici. On va partir. Je vais mettre en grand. Comme ça vous verrez. Donc là je suis pas allé sur le nord là. A mon avis de toute façon il n'y a rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, et ben du coup je crois que j'ai quasiment tout vu. S'il y avait eu des portes en bas je l'aurais vu. Je vais juste aller là. Alors dans le parc je vais le traverser. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a un nouveau truc. Ok. On va y aller, hein, on va voir vite fait ce qu'il y a. Un souterrain ici. Pas grand chose. Ah si, c'est encore assez grand. Hein. Vous pouvez faire l'avance rapide hein, sur YouTube. Si vous souhaitez. Parce que là je vais juste en fait regarder les passages secrets.
pour vous montrer où il se trouve. Ah là, là par exemple, il y en a un. Chez Papy. Chez Patsy. Salon de coiffure, Patsy, ok. Ah bah le costumé, hein. T'as mis ta fête. Et voilà, c'est terminé pour ce petit passage secret de l'XP, en veux-tu en voilà. Belle journée pour une petite balade. Là je pense pas qu'il y ait autre chose en fait plus haut. Je vais quand même aller voir vite fait mais je crois pas. Non, y a rien du tout. Y a rien du tout. Ok, bon bah je crois qu'on arrive au bout. Le bout du bout, c'est la fin. Je n'en peux plus. J'ai pas peur de toi. Nul ne peut vaincre Colossus. Colossus fort. Colossus plus fort que toi. Ok. Ok, ok, c'est la fin. Mesdames, messieurs, chapitre 4, bouclé. Oh, ça n'en finit pas. Hop, truc primitif, ça j'aime bien. Parce que pour l'instant, j'ai pas le level pour faire plus que ça. Et voilà. Ah putain, il y a encore tout le côté gauche. Ah, il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce une nouvelle quête de la taupe? Ou une quête annexe? On y va. C'est le dernier truc à faire. Je pense que c'est... C'est quoi ça? Hop, je reviens. Voilà, excusez-moi. De toute façon, je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a terminé. J'ai filé un truc à un gars. Ah, je suis tout essoufflé là. Ça va pas. Bah, j'ai envie de buter tout le monde là pour pouvoir m'échapper. Il y a quelque chose qui se passe quand j'appuie sur B. Je vais juste aller au fond. J'ai pas peur de toi. Aller au fond, mais de toute façon, je pense que non, j'ai tout vu. J'ai tout vu. C'est terminé, on va aller voir la cinématique de fin. La tour des Vengeurs. Hop. Ne me faites pas regretter cette conversation. Elle m'a dragué, je te dis. La veuve noire t'a dragué. Demande à Cipouane, il était là. C'est n'importe quoi. Il va y avoir du bruit à côté parce qu'ils sont en train de faire les travaux. J'ai tenu ma promesse, Fatalis. Voilà votre tablette. Bien joué, fantôme.
Je vous ai sous-estimé. Ah, il est classe, lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vous croyais incapable d'accomplir cette mission. Et ça, je vais être payé en intégralité, bien entendu. Je m'en suis déjà occupé. Alors, ciao, Doc. Oubliez-moi et j'en ferai autant. Toutes les pièces sont en train de se mettre en place. Ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite. Et ben voilà. Voilà pour le chapitre 4 de Marvel Heroes 2015. Il y aura pas mal de coupages dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert même des petits passages secrets que vous ne connaissiez pas avant. Et on verra donc pour la suite sans problème. À très bientôt. Salut. Ciao.